Donc sur certains végétaux, quelquefois, on ne peut pas réaliser de distonçage. Ici, vous voyez en fait des fraisiers qui ont été réalisés au niveau de leur empotage directement en clayette. Donc ce sont des clayettes de 6. Pourquoi? Parce que ça va être le conditionnement de vente de ces fraisiers-là. Ils vont être vendus par 6. On pourrait très bien avoir des clayettes par 10. Donc c'est une façon de distancer. Les plantes entre elles ne sont pas distancées dans la clayette, mais la clayette et les clayettes sont distancées entre elles. Alors quelquefois, ça n'est pas suffisant. Alors on les voit pour l'instant, on est sur des plantes qui ont encore un développement végétatif qui est modeste. Mais par la suite, ces plantes vont se développer, elles vont forcément se toucher. On pourrait estimer qu'il y ait besoin de les distancer. On ne va pas s'amuser à enlever les plantes à chaque fois de la clayette. Donc on laisse dans la clayette, mais on distance chaque clayette les unes des autres. Le but, ça sera quoi? Ça sera que quand le client va acheter la clayette en totalité, il va avoir quelque chose qui sera présentable, joli, parce que entre elles, l'espace aura permis un développement harmonieux de la clayette, pas forcément de la plante qui est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un mixte entre je distance et je ne distance pas. On ne peut pas distancer à l'intérieur, on pourrait très bien. Si on voulait faire un vrai, véritable distançage, c'est que je mettrais une plante sur deux en faisant de la sorte. Et on a le distançage. Mais vous avez vu le boulot que ça représenterait que de tout refaire à chaque fois? Donc on ne le fait pas. Donc l'idée, on laisse tel quel, on laisse un espace entre chaque clayette. Ça permet de tenir compte du développement de la plante. Ok? Alors me dites pas, c'est distancé, c'est une forme de distançage. C'est une adaptation d'un distançage dit en quinconce ou carré, peu importe, mais adapté à de la clayette où on ne peut pas distancer les plantes à l'intérieur. Alors on pourrait très bien diminuer un peu plus le distançage. On voit dans des entreprises où quelquefois le distançage, on laisse simplement l'espace d'un godet. D'accord ?